Bonjour, bienvenue dans la troisième capsule vidéo dédiée au chapitre de la diffraction de la lumière. Donc la diffraction, c'est le deuxième phénomène caractéristique de l'aspect ondulatoire de la lumière. Ce phénomène apparaît lorsque la lumière fait face à un obstacle de dimension comparable à sa longueur d'onde. Il subit alors un élargissement. Pour une fente infiniment longue, la lumière, diffractée sur un écran de projection éloigné, se présente comme une tache centrale très large et très intense, et des taches secondaires moins larges et moins intenses. Pour expliquer mathématiquement ce comportement de la lumière, on va faire appel au principe de Huygens-Fresnel. Alors, on rappelle qu'un front d'onde est le lieu de l'espace où l'onde possède le même état vibratoire, c'est-à-dire la même phase. Ces fronts d'onde peuvent être sphériques dans le cas d'une source ponctuelle ou bien une onde sphérique, et ils peuvent être plans dans le cas d'une onde se propageant dans une seule direction, c'est-à-dire une onde plane. Les fronts d'onde sont toujours orthogonaux à la direction de propagation, le critère de Malus. Chaque point d'un front d'onde est une source secondaire d'onde sphérique qui va émettre des ondelettes. Alors, l'enveloppe de ces ondelettes constitue la nouvelle position du front d'onde et ainsi de suite. Donc, la propagation se fait de proche en proche. Puisque ces sources sont cohérentes, donc, ils peuvent interférer dans une direction donnée. Alors, on ne va pas s'intéresser à la diffraction en champ proche, qui est appelée la diffraction de Fresnel, mais on s'intéressera à la diffraction en champ lointain ou la diffraction de Fraunhofer. Dans cette situation, la fente est éclairée par une onde plane et l'observation se fait à l'infini, ou bien entendu dans le plan focal d'une lentille convergente. Lorsqu'un front d'onde plane arrive à l'ouverture de la fente, il est considéré comme le lieu d'une infinité de sources secondaires cohérentes qui peuvent interférer d'après le principe de Huygens-Fresnel. On cherche alors l'intensité diffractée par toutes ces sources. Alors pour ce faire, on commence par calculer l'amplitude complexe diffractée par une source élémentaire de la fente et on effectue une somme continue pour calculer l'amplitude complexe totale diffractée par l'ensemble des sources présentes dans la dite fente. Bien entendu, dans une direction donnée caractérisée par un angle θ. Le carré de l'amplitude complexe donne l'expression de l'intensité en fonction de la phase qui se présente comme un sinus cardinal. La représentation de l'évolution de l'intensité en fonction de la phase, ou bien entendu en fonction de la direction d'observation θ, montre un maximum principal dans la direction θ égale à 0, ou bien phi égale à 0. Donc, les minima de la fonction sont atteints pour des valeurs de θ égale à k fois lambda sur a, où a représente l'ouverture de la fente, et k, un entier. Donc, la tâche centrale correspond à un déphasage nul, c'est-à-dire θ égale à 0. Les rayons qui la constituent sont appelés le faisceau direct. Les minima correspondent aux valeurs de θ égale à plus ou moins k fois lambda sur a. Le premier minimum est à lambda sur a, le deuxième à 2 fois lambda sur a, ainsi de suite. La largeur de la tache centrale est alors 2 fois lambda sur a. Les maxima secondaires sont atteints pour des valeurs de θ égale de k plus 1 fois lambda sur 2a. Donc, bien entendu, plus ou moins. Le premier maximum est à une distance angulaire est égal à 3 lambda sur 2a. Le deuxième à 5 lambda sur 2a, plus ou moins, bien entendu. Si on utilise une fente rectangulaire, alors, c'est-à-dire que la diffraction, on aura le phénomène de diffraction selon deux dimensions du plan d'observation. L'intensité se présente comme le produit de deux termes,
caractérisant la superposition de la diffraction produite par deux fentes, bien entendu, disposées verticalement l'une par rapport à l'autre. Dans la situation d'une fente double, donc nous avons une fente double avec un écart entre les fentes est égal à A, et B représente l'écart, plutôt A, c'est la largeur des fentes, et B représente l'écart entre les deux fentes. Donc l'intensité se présente comme étant le produit d'un terme de diffraction par une fente qui multiplie un terme d'interférence à deux ondes, à deux fentes. On assiste alors à une modulation de la diffraction par l'interférence, le signal qui oscille rapidement et la signature du phénomène d'interférence avec une alternance de franges sombres et brillantes, alors que son enveloppe représente le phénomène de diffraction sous la forme d'une tache centrale large et intense et des taches secondaires moins intenses. En modulation, le signal oscillant rapidement constitue la porteuse, alors que son enveloppe représente le signal informatif. Ici, nous avons effectué une étude sur les différents paramètres qui peuvent influer la manière de répartition de la lumière diffractée par une fente double. Dans cette figure, c'est l'écart entre les fentes qui varie. On constate que c'est le phénomène d'interférence qui est ciblé par cette variation qui se manifeste comme des variations de l'interfrange, alors que l'enveloppe demeure la même. Dans la deuxième situation, c'est la largeur des fentes qui est mise en variation. On constate un élargissement de l'enveloppe du signal, alors que l'interfrange ne change pas. Donc, c'est uniquement le phénomène de diffraction qui est concerné par cette variation. Dans la dernière situation, c'est la longueur d'onde qui varie, comme le montre le changement de couleur. On assiste à une variation simultanée de l'interfrange et de l'enveloppe. Les deux phénomènes de l'interférence et de la diffraction sont concernés par cette variation, ce qui est cohérent du moment que la longueur d'onde figure dans l'expression de l'interfrange et celle de la largeur de la tache centrale. Dans les interférences à n ondes, nous avons omis le phénomène de diffraction, c'est-à-dire que nous avons considéré que l'amplitude et par suite l'intensité d'une fente n'est pas variable. En considérant le phénomène de diffraction, cette fois, cette supposition n'est plus valable du moment qu'on a pu déterminer l'amplitude complexe diffractée par une fente. Donc, il serait judicieux de remplacer dans l'expression de l'intensité de l'interférence par n fente, l'amplitude constante par l'amplitude diffractée. Et ainsi, on aboutit, comme dans la situation de la fente double, à une modulation du signal de diffraction par les interférences à n ondes. Donc l'intensité se présente comme le produit d'un terme de diffraction, c'est celui-là, et un terme qui caractérise les interférences à n ondes, c'est celui-là, c'est le deuxième terme. Donc la représentation de l'intensité en fonction du déphasage montre l'existence des maxima principaux qui caractérisent le phénomène d'interférence à n ondes, enveloppés par un signal caractérisant le phénomène de diffraction. Donc, de la même façon, le faisceau direct correspond à l'ordre 0 et le premier maximum secondaire correspond à l'ordre 1 au moins 1 et ainsi de suite. Fin de la troisième capsule.